Bonjour. J'ai appris aujourd'hui, décidément, c'est l'hécatombe en ce moment, la mort de Ray Thomas, qui avait créé Night in White Satin avec les Moody Blues. Et donc, bah voilà quoi, ça fait quand même pas mal de. C'est quand même la loi des séries, quoi. Johnny Hallyday, France Gall, Ray Thomas, ça commence à faire beaucoup. Et donc, bah, je vais sans doute créer un cours sur Night in White Satin. Donc, ça me semble important, surtout que c'est un super morceau quand même, donc ce serait dommage de ne pas savoir le jouer. Et puis, puisqu'on en est dans les morceaux, j'ai une amie qui m'avait offert pour mon anniversaire ce livre. Voilà. C'est en fait donc le rock français de Johnny à Bébé Brune, 123 albums essentiels. Enfin, ça commence pas par Johnny Hallyday, en fait, ça commence par Les Chats Sauvages. C'est raconté par Philippe Manœuvre et c'est très sympa. Et en fait, moi, ça me permet quand même d'en savoir un peu plus sur le rock, parce que c'est vrai que bah, je connais surtout le jazz, le blues, la musique country, la musique celtique, et moins le rock en fait. Et du coup, je me dis, allez, ce serait. Enfin, j'en fais un peu forcément, je fais même partie d'un groupe de rock actuellement, mais c'est vrai que je m'aperçois que je n'ai pas une grosse culture rock, et ça me gêne un peu. Et du coup, voilà, alors j'ai ouvert le bouquin quand même, depuis le 15 décembre, et enfin, il me l'a offert le 16, mais peu importe. Et donc, ça commence par Les Chats Sauvages. Et je me rappelle que, alors, une petite. Voilà, paf, Les Chats Sauvages avec cette super pochette de disque. Et en fait, je me rappelle que mon père m'avait dit que dans les années 60, enfin, la période yéyé, il y avait plein de groupes qui s'étaient formés à l'époque. Et le meilleur pour lui, c'était vraiment Les Chats Sauvages avec Dick Rivers en leader. Et donc, voilà, donc il parle un peu enfin, quelques anecdotes sur Les Chats Sauvages. Et dedans, il y a un super morceau qui s'appelle Twist à Saint-Tropez. Je ne vais pas vous faire la démonstration, Dick Rivers le fait mieux que moi. Et bah, je me dis, tiens, pourquoi ne pas le faire à l'harmonica? Ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, donc, je pense que ce sera peut-être un cours complet, sans doute. Et je voulais aussi te parler des tablatures. Et là, j'ai repéré 10 chansons de Johnny Hallyday dont j'ai les partitions. Donc je me dis, bah, tiens, je vais faire aussi un coffret exclusif, un pactage, j'appelle ça un pactage, pactage Johnny Hallyday. Donc 10 tablatures. Donc là, ce n'est pas des cours complets, hein, c'est simplement les codes de tablature qui te permettent de savoir où il faut souffler, où il faut aspirer sur l'instrument, et où altérer s'il faut altérer. Voilà, donc il y a. Donc la liste, bah, écoute, je l'ai faite, si tu veux, je te la lis. Donc c'est Allumer le feu, Le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Elle m'oublie, Je suis né dans la rue, Laura, ma gueule, La musique que j'aime, Que je t'aime et retiens la nuit.